Bonjour et bienvenue, on est reparti pour du Dead Space. Donc ça va faire la troisième fois que je me lance dans Dead Space. Donc la première fois, donc je l'ai déjà fini une fois en mode difficile, découverte en difficile, ça s'est super bien passé, c'était super fun. Après maintenant j'ai commencé en fait la nouvelle partie plus, je sais pas si ça sera déjà sur la chaîne au moment où cette vidéo sort. Et maintenant vu que le nouvelle partie plus en fait c'est fun, et je me suis dit, ah j'aime pas vraiment le fun dans ma vie, hein, je préfère souffrir hein, comme la vie. Et du coup je me suis dit, bah tiens on va se lancer dans le mode impossible. Alors... Les difficultés en fait du mode impossible. Alors pour ceux qui veulent se lancer dans le mode impossible, déjà dès le début, genre sans connaître le jeu, ne le faites pas. Vous n'allez pas en fait mourir des monstres parce qu'honnêtement, nous on l'a fait, j'ai fait ma découverte en mode difficile parce que la difficulté est la même hein, si vous lisez ça. Le mode a les mêmes paramètres de dégâts qu'en difficile, mais les sauvegardes automatiques sont désactivées. Vous ne disposez que d'une vie et d'un seul emplacement de sauvegarde. Si vous mourrez, vous devez recommencer à zéro et continuer en mode difficile. Donc honnêtement, ça va pas être trop compliqué en fait pour ce qui est combat, boss, monstre, environnement et tout ça, car on l'a déjà fait une fois. Par contre, le problème en fait dans Dead Space, et tous les Dead Space ont toujours eu ça, il y a des cinématiques que vous devez en fait jouer, où il faut tirer sur des parties sensibles d'un monstre, ou alors tirer sur l'environnement et tout ça. Et c'est ça en fait qui va augmenter la difficulté, c'est que si vous n'êtes pas au courant de ça, et que par exemple vous avez, parce que vous pouvez équiper que 4 armes, et vous avez bah, du coup pas assez de munitions sur le moment, ou alors vous n'avez pas vraiment la grosse arme équipée au bon moment, et ben vous allez louper votre tir et vous allez tout simplement mourir. Et du coup bah, là vous recommencez depuis le début. Donc c'est ça en fait la difficulté du mode impossible. Donc je conseille vraiment pas de le faire pour la première fois en fait que vous jouez au jeu. Je conseille de le faire pour la deuxième fois au moins. Et essayez d'avoir une bonne mémoire. Moi j'ai une très mauvaise mémoire, donc c'est la merde honnêtement. Ça va augmenter la difficulté énormément. Aussi il y a beaucoup de gens qui font du speedrun en fait slash impossible pour éviter bien sûr de combattre le plus possible et tout ça. Aller très vite vers la fin du jeu parce que plus vous passez du temps en fait dans le jeu, dans un sens, et plus vous risquez votre vie. Ce qui est logique dans un sens. Oups, pardon. Ce qui est logique dans un sens. Moi, encore une fois, très mauvaise mémoire, donc les speedruns, c'est vraiment pas pour moi, parce qu'il faut se rappeler d'où aller très vite et quoi faire et les monstres que vous allez combattre. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un mode impossible lent. Et voilà, c'est un lent mode impossible. Donc, on va en fait tout faire. On va faire comme si c'était la première fois qu'on jouait. Bien sûr, on va aller un peu plus vite, évidemment, c'est normal. Mais on va débloquer toutes les portes, genre de rang niveau 1, 2 et 3. On va faire le mode général aussi, avec enfin le passe-partout, là, général. Enfin voilà, on va tout faire tranquillement. Mais voilà, on jouera en mode impossible au lieu de difficile. Donc ouais, on va faire ça. J'ai aussi mis le jeu en anglais. Déjà, en nouvelle partie plus, je l'avais mis en anglais parce que j'avais envie d'écouter la voix de Gunnar Wright. Le mec qui double en fait Isaac Clarke dans Dead Space en anglais parce que voilà, sinon j'ai fait ma découverte en français si vous êtes intéressé. Donc voilà, on va partir. Alors le début est un peu long, évidemment. J'espère que je vais pas mourir trop de fois parce que bon, bien sûr, si jamais je meurs et que je dois me retaper une partie de jeu en fait, ben, je couperai évidemment. Et je continuerai en fait le mode, parce que je vais pas vous remontrer ce que j'ai déjà fait 150 fois, hein, si je meurs 150 fois. Et petit à petit, je mettrai les vidéos bout à bout jusqu'à la fin. Donc on verra un peu comment ça se passe. Mais bon, je pense que honnêtement, ça va bien se passer. Surtout que je le fais en nouvelle partie plus en parallèle. Donc du coup, c'est, on va dire que ce que je fais, je m'en rappelle assez bien du coup, parce que je suis vraiment en train d'avancer en nouvelle partie plus en parallèle. Donc ça devrait très très bien se passer. Voilà, donc comme j'ai dit, le début est un peu lent, parce que ça parle beaucoup. Donc on y va. Alerte! Il s'agit d'un mode extrêmement difficile destiné aux personnes pour qui Dead Space n'a plus de secret. Ouais, ça va être compliqué quand même pour moi. Un seul emplacement de sauvegarde, continuer, yes. C'est parti. Aussi, petite parenthèse, j'ai essayé de jouer clavier-souris, parce que je me suis dit, ouais, clavier-souris plus précis, machin et tout. Honnêtement, j'aime pas du tout. Pour Dead Space, je trouve que c'est pas vraiment très très pratique. Alors, évidemment, pour viser, utiliser la stase et tout ça, c'est plus intéressant avec la souris. Mais honnêtement, j'ai vraiment pas aimé le fait de bouger et tout ça, donc on reste à la manette. Strange.
such a little thing. That's her? Nicole? Yeah. First deferred from her in weeks. We're 5 minutes out, you still got that thing on repeat? Guess you really miss her. Bishamer is not a job you turn down, but 6 months apart with only vid calls? It's rough. Easy to say the wrong thing. I don't blame you. I'd listen to my girlfriend over him in reciting security protocols. Forewarned is forearmed, Miss Daniels. So you keep saying. Here we go. Nice clean re-entry. Welcome to Aegis 7. Imagine 6 months staring at that chunk of rock. To an independent miner, that's paradise. Aegis 7 is one of the richest finds in CEC history. Some prospecting team set up for life. Now, where is she? There. Confirming visual contact with USG Ishimura. What a beauty. Biggest planet cracker in her class, you know. And it looks like they already popped the cork. Why is it so dark? We should be able to see her running lights. Yeah. I'll get us into hailing range. Someone's got to be waiting up for us. Just be careful on the approach. I'm not taking any chances with the CEC's pride and joy. No chances, huh? Is that why you were digging into my personnel files before we left? You track your file access? I'm a computer analyst. Comes with the job. I ran standard CEC background checks, Miss Daniels. If you want to work in the big leagues, you have to play ball. Sir, we're in hailing range. USG Ishimura. This is the emergency maintenance team of the USG Kelly responding to your distress call. Come in, Ishimura. Ishimura, do you copy? Come in. This is the USG Kelly. You ever hear of a full communications blackout on one of these things? Never. Come on. Someone pick up the damn phone. The hell is that? Sounds like their communication array is busted. Maybe a broken encoder. Daniels and I can handle it in 48 hours, max. Hey, that gives you plenty of time to catch up with Nicole. Yeah, I hope so. Jen, Johnson, take us in. Gravity tethers engaged. Automated docking. Let's go. I'm losing control. What? We're off course. Daniels! Guidance system override isn't responding. Shit, we're coming in too hot. It's gonna smash us into the hull. Jet, aim for that emergency stabilizer. There, the blue light. It might slow us down. Got it. Drop the flash shield. Everyone brace yourself. Ça existe pas, les ceintures de sécurité dans le futur. Moi, ça me fait marrer, quand c'est ça. Shit, but better than a broken neck. Or worse. Good call on the stabilizer, Isaac. That I always read the manual. What the fuck's going on with flight control? That guidance system's a death trap. Better add it to your repair list. Jen, what's our damage? Comms are down. We lost a port booster. We got a fire in one of the stabilizers and... Singularity core's a mess. Could be worse, but not by much. Then let's get some help. Johnston, stay with the Kellyan. We'll send a medic. Everyone else, with me. Et on est parti. Reparti. Enfin, reparti en fait. Ça va? Ça va ta cheville? Eh oh. Ça va ta cheville? Eh oh. Forget something? How's the ankle? It's like hell. But I've had worse. You go on. I'll get it strapped up. Ok. On y va. On va prendre ça. On va reprendre tous les écrits, tout ça, les audios. On va pas les lire, évidemment. Sans les a déjà lus. Standard procedure, Miss Daniels. We'll register them in the flight lounge. Hello? Where is everybody? Half the ship must have heard that landing. Be proud, Jen.
You gotta see her in one piece. Johnson might disagree, but you're offering to buy the first round tonight. I wouldn't mind something to steady my nerves, especially on CEC's tab. You see anyone in flight control? No, nobody. Flight control, c'est le contrôle de vol, ça doit être ça en fait, c'est ça et ça. Non, pas, y a pas de côté gauche, hein, le côté droit. Oh non, si, si, il y a là, parce que après, plus tard, enfin bien plus tard, vers la fin, on va sur la gauche. May as well get signed in. Donc là, on va devoir faire attention quand même, éviter les dégâts le plus possible. Utiliser les munitions le plus possible. Jouer. Jouer intelligemment. I can't read security. Same for the chief engineer. What is wrong with their comms? Ah, l'Ishimura, toujours aussi beau. Someone left in a hurry. Where's the security detail? Where's anybody? There's nothing logged. Ah, no oui, duty c'est quoi, roster, okay, okay. No power to the elevator. For God's sake. That security console still working. Isaac, get a damage report. I'm done playing around. Chef, oui, chef. Je dois dire que peut-être que l'entendre en... Il y a peut-être qu'en anglais c'est un peu plus fluide en fait les conversations, je dirais, comparé en français. Oh God, that smell. What have you got, Isaac? Shit. Mais honnêtement, la VF aussi est très très bonne. Half the Ishimura's in the red. Engines, hull, the trams. You could do that kind of damage to a planet cracker. Allez, c'est parti. Another malfunction? No. The quarantine systems are all fine. Oh, wait. Do you hear that? Yeah. Yeah, I hear it. Hammond? Take it easy. Daniels, get those elevators running. There's something in here with us. Up there! Oh, God! Chen, no! Daniel, get the doors open! Get out of there! Chen, the door! I got it! Allez, dépêche! J'ai pas envie de me faire toucher. Ah, lâche-moi! Ah! Non, toi aussi, non plus! J'ai pas de cigarette, désolé! Ok. Oh, il y a aussi une chose vachement intéressante en fait. C'est jamais les mêmes nécromorphes qui vous attaquent. Si vous avez vu, là il avait une armure celui-là. Et dans mes. Ben, la première fois que j'ai joué et après le New Game Plus, pareil, c'est un nécromorphe différent. Des fois ils ont des habits, des équipements, des fois la peau elle est pas la même. Il y a plein de choses en fait différentes comme ça. Et quand vous revenez à certains endroits que vous avez déjà vérifiés, le jeu aussi va générer différemment genre l'ambiance de la salle. S'il y a de la lumière, s'il n'y a pas de lumière, si c'est sombre, si c'est complètement dans le noir, s'il y a du brouillard un peu, parce que des fois il y a du brouillard à des endroits, genre du gaz et tout ça qui sort. Si un monstre va vous attaquer ou pas, c'est vraiment bien. Donc à chaque fois en fait c'est un peu unique, chaque fois que vous rejouez au jeu. Il y a plein de petites différences comme ça, donc c'est plutôt cool. Ah!
En théorie, je peux leur couper les jambes, enfin une jambe, et après les écraser au coup de pied. Et normalement, je peux toujours les stunlock en fait. Donc ça devrait bien se passer. Security request retrieved. It didn't die. We shot that fucker right between the eyes and it didn't die. Smith had to shoot its fucking arms and legs off. For God's sake, send help! Isaac. Oh my God, Isaac. You made it. Just... they're everywhere. Jin, is he, He's gone. Nothing I can do. What the fuck are these things? The ones I saw, some of them were wearing Ishimura uniforms. They're the crew? How the hell can they be the crew? Look at them. We need to get to the bridge. There's 1,000 people on board. Someone will be there. We can't. The tram system's wrecked. Everything's locked down because of the quarantine. And you're both repair techs, so how do we do this? There's a broken tram car blocking the tunnel. It's gridlocked the system. And the data board's burned out. I can't lift the lockdown or call the tram until we get a spare from the maintenance bay. But it's all on Isaac's side of the quarantine. I'll handle it. Just make sure there's power to the repair systems. And Isaac? Yeah? I'm sure Nicole's okay. She's the doctor, right? She'll do the smart thing. Yeah. Yeah, she always does. Find somewhere safe. I'll be back soon. Alors pour info, on n'a pas de sauvegarde automatique, donc, et on n'a qu'une seule sauvegarde, donc en théorie on devrait sauvegarder seulement si je dois quitter le jeu, genre pour m'arrêter ou faire une pause quoi. Par contre, j'ai eu un crash en 20 heures plus de jeu, j'ai quand même eu un crash, donc on va quand même sauvegarder régulièrement. Voilà. Juste au cas où, juste au cas où. Alors, remplacer le tram endommagé. D'abord, il faut... Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Isaac? Isaac, tu m'aides pas, là. Tu veux d'abord que j'aille récupérer la stase, c'est ça? Attends, c'est moi ou il n'y a plus de... Vous êtes plus en impossible? Aucun objectif suivi. Ah. Remplacer le train, suivez l'objectif. Ah, c'est parce que j'ai pas laissé le truc jouer, peut-être. Je peux aller sauvegarder tout ça, ça a dû couper l'enchaînement, en fait, hein, des missions. C'est pas grave. Ouh. Bou. Ok, ça c'est la porte niveau 1. Faites pas attention, toi bien, y a pas de monstre, y a aucun monstre ici. J'ai hésité, monsieur. Merde, putain, mais du temps à revenir, qu'est-ce que je fais? C'est juste le vaisseau qui nous dit bienvenue. Il va avoir aussi un peu de RNG dans un sens. Non, on doit aller là, mais je crois que... Ouais. On a aussi un tout petit peu de RNG. Ça va être par rapport aux munitions, en fait. Donc, on va essayer de bien gérer ça. Très bien. Genre, je sais qu'au début, on va utiliser, bon, pas mal le cutter, parce qu'évidemment, c'est l'arme du début, hein, évidemment. Mais après, on va switcher sur le... Alors, c'est le découpeur ou le trancheur? Isaac, découpeur, je crois. Don't bother shooting those fuckers in the head. Doesn't even slow them down. Okay. The only way is hacking them apart.
Those arms, their legs. Does that even kill them? Or do they just stop moving? Donc ouais, on va faire ça. Message retrieved. Vents into engineering. You got a stasis module handy? We need one in tram maintenance stat. The autoloader's fried. I got a damaged tram car in the track, and if the whole system's gridlocked, guess who they're calling? Temple here, sending a stasis module now. What happened to the autoloader? No idea. A lot of shit's been breaking down. I keep hearing things. Down in the gears where no one could be. You know? I know. Ok, on est prêt. Prepare systems online. Normalement. Normalement, on va avoir des copains. Autoloader malfunction. Please contact a repair technician. Peut-être que si j'active l'autre d'abord, on va voir. Normalement, on va avoir des copains. Encore un? Ouais. Oh! Va bien. Pas de panique! Arrêtez de paniquer! Putain, j'ai un peu paniqué. Quand j'ai loupé ma stage, j'ai un tout petit peu paniqué. Tout va bien. Ok, on est bon. On devrait être bon. Ah. C'est bon. Encore plein de munitions, 70 de réserve, ça va. Hop, stage, très bien. Bouge, si j'ai pas un truc derrière moi. Replacement complete. You got it. The tram was jamming the whole system. That's one down. You said a data board was fried too? Inventory says there's a spare board in the maintenance bay. We can't run the trams without it. Bah voilà, très bien. Là c'était un sans faute. 76 en tout de réserve et tout. Non, nickel, sans faute. Très joli. Arrête de crier, s'il te plaît. Comme j'ai dit, on sauvegarde pour les risques de crash. Très bien, on est reparti. Quand on aura la vache. Ouais, j'aurais dû le... J'aurais dû le staser. J'ai pas cru qu'il allait me toucher en fait, quand je me suis déporté sur le côté.
L'acide, c'est ce qui fait le plus mal, honnêtement. Donc, là, on peut encore subir quelques attaques. Mais bon, là, c'était un coup vraiment tout con. Hein. J'aurais pu vraiment l'éviter. J'ai vraiment fait de la merde. Mais c'est pas grave. T'es vivante ou pas? Alors, d'abord, dépôt. Ah! Tu savais pas où j'étais, hein, j'étais trop loin pour toi. Hein. Très bien. Je crois qu'il y en a un dans le couloir. Y a rien d'autre. Mais bon. On a de la stase ici. On a de la stase ici, je crois pas. Attends. Que je vérifie. Non, la stase elle est derrière. Non, c'est bon, on est plein d'autres poissons. J'ai rien dit. Très bien. Il y en a d'autres. Let's go. On est ok, bingo, loto, let's go. Là, il n'y a plus rien. J'ai loupé mon tir sur l'explosif parce qu'il est un peu trop passé devant en fait. Je crois qu'on est ok. J'avoue que je stresse un peu. C'est con hein, de penser qu'on a qu'une vie quoi, parce que ça nous fait stresser deux fois plus et on est moins efficace. C'est fou. Hein. J'avoue que ouais, c'est vraiment une mauvaise chose de penser comme ça quoi. Mais bon, c'est le début. Au début, on n'a pas beaucoup de Genre, on n'a pas beaucoup d'armes, de munitions, de ressources et tout ça. Donc, c'est le difficile, c'est le début. C'est vraiment le début. Après, ça va aller. Là, on a déjà masse munitions et tout. Honnêtement, je me débrouille mieux que la première fois. Bah, enfin, ce qui est normal. Hein. Pas plus de dire. Très bien. C'était à peu près à cet endroit, juste un peu plus loin, où j'ai eu mon premier crash. Et j'en ai eu qu'un de crash, hein. Encore une fois, je le répète. Donc voilà, on n'est pas à l'abri hein, que ça recrache un jour ou l'autre. Hein. Donc c'est pour ça que je sauvegarde même régulièrement, même pour ça. Alors, lui... Non, lui est mort. Lui non.
Ouais, c'est quand même beaucoup de munitions hein, si on tape pas. Je pense que les coups de pied, les écrasements et les coups de poing. Peut-être le coup de poing il est moins puissant, mais les coups de pied, honnêtement, je suis certain qu'ils ont bien augmenté les dégâts comparé à tous les anciens Dead Space. Parce que là, on peut vraiment les tuer en fait à main nue, j'ai envie de dire presque. Les ennemis. Très bien. Je vais voir un peu l'inventaire. L'inventaire un peu plein. On va prendre un petit soin. On va prendre un petit soin. Alors. Donc. Lumière. Salle de maintenance. Ah, ah, ah. Il y en a encore un au fond ou pas? Mais bon. J'adore tous les détails, genre le sang sur la tenue et tout qui coule. Et petit à petit elle est lavée. Sympa. Ok, tout droit. Il est au-dessus. À gauche, je crois. Ouais. Alors, est-ce que je peux faire péter ça? Il va peut-être passer devant. Ok, on l'a eu. Très bien. Nickel. Isaac, we can't stay here much longer. Hearing a lot of movement. Hold on, I got the data board. I'm coming back to tram control now. Daniel, get ready to go. Ok, parfait. Alors, je vais être sûr que personne m'attaque. Attendez une seconde. Alors, tenue. Bah voilà, vous voyez, on n'avait pas vraiment eu besoin de soigner, parce qu'on peut soigner là. On va prendre PV maintenant, comme ça on a un peu plus de PV. Le cutter plasma, on a les dégâts augmentés. Voilà, les dégâts une fois. On va garder la capacité quand on l'aura vidé. Enfin, quoique au début, honnêtement, tant que j'ai pas d'autres armes, on va le recharger, hein, parce que je veux pas être dans la merde non plus. Après on a quoi? On a R et zone de stase. Zone de stase c'est vachement intéressant. Faudrait débloquer ça assez vite. Ça fait une boule et ça en fait ça, ouais, c'est comme une boule d'AO de stase en fait. Ça c'est vachement intéressant. Là-bas c'est 0,75 donc c'est très très petit. Faut vraiment qu'il soit côte à côte les trucs. Mais après la zone elle est quand même vraiment importante. Voilà, on est full vie avec un peu plus de vie. On a un peu plus de dégâts avec le cutter. On est nickel, on est bingo. On y va. Ah.
Ok, ça va, j'ai compris. Ouais, on voit la différence. J'ai voulu forcer un peu le chemin, mais en fait non. Donc c'est pour ça qu'on va éviter de faire ça. On va complètement éviter de faire ça. Ok, là c'était très bien. C'est pas extrêmement dur, j'ai envie de dire, ça va. Comme j'ai dit, pour le moment... Truc derrière moi ou pas? Non. Voilà, nickel. Data board reinstalled. System restart complete. Maintenance complete. Calling tram. It's clear. Parfait, parfait. Je suis content, c'est cool. Bien. We're on board. Something hit the roof, but it seems operational. Quarantine lockdown was lifted, so you can get to the hangar. Comms are still down though, so be ready for anything. What's the plan? You and Johnston fix up the Kellyanne. We report to the bridge. Standard emergency protocol. What? Protocol? Hammond, people are dying here. And I'm not losing anyone else. We stick to procedure. We'll get through this. We'll see. Ah. J'adore les deux. Les deux qui se prennent la tête tout le temps. Retourne au Kellyanne. Et aussi de sauvegarder n'importe quand, ça me permet de faire une pause si j'ai besoin. Parce que j'avoue que c'est un peu stressant quand même de se dire que faut pas faire le con, quoi, faut pas se louper. Alors, ouais, retour au Kellyanne, c'est bon. C'est juste... T'es juste des jumpscares, ça va. Les bruitages de jeu sont magnifiques. Hein. Très très bien fait. Genre vous sentez jamais en sécurité, même si vous connaissez le jeu. C'est ça qui est bien. Et c'est très difficile à faire ça. Quand vous connaissez un jeu... Vous perdez la notion de peur et tout ça. Mais il y a très peu de jeux qui arrivent quand même à garder ce sentiment d'insécurité. Isaac, we made it to the bridge. It's... There's no survivors. Daniels is trying to get into the command computer. En NG+, j'ai eu un monstre supplémentaire ici. À moins que ça soit fait aléatoirement par rapport à comment on se débrouille, je sais pas. Mais je sais que j'ai eu un monstre ici. Attendez, on va sauvegarder quand même.
parti. Retour à Kellyon. Hey Johnson, ça va? Ça va la cheville? Ouais, ouais. Je fais juste regarder. Y'a pas d'objet. Non, je crois pas qu'il y avait d'objet là. Ouais. Expert en réacteur. Haley, I need you to listen. The Ishimura's overrun with the fucking monsters. You didn't hear anything? What? No, the comms are still out. Isaac... We need the Killian fixed now. Got a damage report? Yeah, it's there. Prends ton arme. On est bon. J'ai eu peur. Oh, il y en a derrière. Faire gaffe parce que eux... Okay. Putain! Isaac, what's happening down there? Johnson's gone. The singularity core overloaded. No! Kelly was our only way home. We're trapped. No! I'm not losing two good people for nothing. What about the command computer? It's a brick. All the primary systems are locked down with the captain's codes. So we find Captain Matthias. Track his rig. Okay. Okay, here. Captain Benjamin Matthias. Location medical. Status deceased? Either the captain? God. Isaac, you're closer to medical. You can double back and cut through maintenance. Find the captain's body and get his rig. With his codes, we... What was that? Chen? Parti. J'ai pas rempli ma stase. Je crois pas qu'on en ait besoin pour le moment. Il y a une salle que j'ai pas faite. Une salle que j'ai pas faite. Ah oui. Mais du coup, on n'est pas seul. J'espère que ça va valoir le coup. Aziz! Ok, ventilation ici, ça marche. Ouais, ça va le coup.
J'ai utilisé un bouton. Un bouton. Pas un bouton, un objet de stase. Ah, on n'est pas seul. On peut pas les... Honnêtement, je crois pas qu'on puisse les esquiver, les ennemis. Dans le sens où il y a les portes, de toute façon, elles mettent un tout petit peu de temps à s'ouvrir. Donc ça nous ralentit, déjà de 1. Mais ils sprintent, en fait, quand vous partez. Quand vous essayez de fuir, ils sprintent. Ils vont... Parce que dans les anciens jeux... On va sauvegarder. Dans les anciens jeux, ils avaient tendance à toujours, si vous partez ou vous changez de pièce, ils vont la plupart du temps directement chercher une ventilation, genre partir dans la ventilation, puis après revenir dans la salle où vous êtes par la ventilation. Là, moins. Là, ils le font toujours, hein, évidemment, mais ils le font beaucoup moins, et la plupart du temps, ils vont essayer de vous pourchasser, parce qu'ils ont, ils vont quand même très vite, maintenant, dans le remake. Ils vont quand même très très vite. Bon, ça m'embête un peu pour la stase. Est-ce qu'on a des objets de stase ? On en a plus du tout. Il nous faudra un magasin. On en a plus du tout et on a qu'un seul tir de stase. Il nous faut de la stase. Ok, très bien. On a beaucoup de munitions par contre. Ok, ça c'est bien. Appeler le tramway. Magasin. Yes. Ah oui, du coup, ça c'est les trucs secondaires. Enfin, de précommande et tout ça. Enfin, de deluxe, pardon. Alors, on va prendre niveau 2. Comme ça, on a un peu de défense. 5% de défense en plus, ça fait une différence quand même. Let's go, Isaac. Ah! Qu'est-ce que tu me fais, le jeu? What? Pourquoi il s'est minimisé, le jeu? What the fuck? C'est pas la première fois que ça me le fait, ça. Ok, on est bon. Ça m'a déjà fait aussi une fois ou deux, je me rappelle plus quand. Je sais pas, le jeu, il s'est mis en petit. Je sais pas pourquoi, je sais pas. Ok, on a plus de place. C'est notre inventaire, il est vide. Enfin, notre stockage, il est vide. On va vendre ça. Alors, on va voir. Déplacer. Pour le moment, on n'a qu'une seule arme. On va garder deux stacks de munitions. On va virer ça aussi. Enfin, on va garder deux stacks de munitions. On n'a pas de stase. Non, j'allais dire on pourrait en acheter, mais non. Ok, très bien. Ah, des fois. Ou alors c'est mon ordi après qui pète un câble, c'est possible. Ah, je veux ça, moi, pour la stase. Très bien, personne m'attaque. Toujours attendre une ou deux secondes, on sait jamais. Hein. Alors, tenue niveau 2, oui. Alors, on a deux points. Alors, le cutter plasma, on l'a chargé. Alors, moi, ce que je veux dans le cutter plasma, parce qu'on va pas le prendre, on va pas le monter au max, parce que honnêtement, au bout d'un moment, je vais arrêter de l'utiliser. On va aller là-haut. En fait, bah, je peux pas vous le montrer, mais en gros, on va prendre l'augmentation du haut. Donc, on va pas aller en bas, parce que c'est un peu des points gaspillés, j'ai envie de dire. Alors, la tenue
Énergie de stase. Ben voilà, on peut faire ça. Donc de l'air en plus. Énergie. Voilà, maintenant on est full. Et ouais. On a 4 tirs. On a 4 tirs de stase. Bah du coup, je crois que je vais m'arrêter là. On va faire une petite vidéo de 50 minutes, c'est très bien. Résultat des courses, on a avancé assez vite. On a l'armure niveau 2, on est full vie, on a augmenté notre stase, on a des munitions, on a du soin. C'est nickel, c'est nickel. Donc on va sauvegarder, je vais m'arrêter là. À la prochaine, portez-vous bien. Ciao, ciao.